Loïc Noté. On aime bien ce son, hein. C'est efficace, c'est efficace. Quelle voix, ce Loïc. Allez, Tanguy, bouge un peu. C'était mon meilleur move. C'était son meilleur move. Retrouve Tanguy dans toutes vos soirées au fond du bar. Allez. Bon, bah, Jérémy, il est parti à la rencontre de Loïc Noté. Et je vous rassure, sous ses cheveux peroxydés, eh ben, il a pas pris la grosse tête, le mec. Alors, Loïc Noté, donc, tu es chanteur, ça on le sait, c'est un de tes nombreux talents. Mais tu es aussi danseur, t'as gagné Danse avec les Stars. Mmh. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que t'es chaud pour une petite interview danse? Vas-y. Pow! Si tu devais nous dire bonjour avec une petite danse, qu'est-ce que tu ferais? Oh, hop là, hop là, hop là. C'est pas la danse de Carlton dans Le Prince de Bel-Air, ça, un peu? Si, exactement. Nice. Bien. C'est quand la dernière fois que t'as fait une danse de la victoire? Quand je suis tombée à ski. C'était beau, c'était comme ça, gars. Sur quelle chanson tu ne peux pas t'empêcher de danser? Alors, Sing Sing Sing. Ou alors, Think de Aretha Franklin. Mais du coup, est-ce que tu nous danserais un petit peu justement sur Think Think Think? Tu m'as? Et je peux bouger les fesses comme ça si tu veux. Ah si, ça, ça marche. Bon, voilà, je vais pas trop bouger les paumes. Faire un truc de rocker comme ça avec l'autre, comme ça aussi. C'était incroyable. Ouais. C'était dingue. Est-ce qu'il y a une chanson de film ou de dessin animé qui te donne envie de danser? Non, ouais. Dans Bob l'éponge, tu vois. C'est la plus belle des journées. C'est la plus belle des journées. Moi, j'étais sur Qui vit dans un ananas sous la mer, mais pas celle-ci. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler Bob l'éponge carré. Qui n'a pas peur de grimper dans un poisson? L'éponge carré, l'éponge carré. J'adore Bob l'éponge. Quand t'étais petit, sur quelle chanson tu dansais, mais d'office? Hakuna Matata. Mais quelle race magnifique. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. C'est marrant, c'est magnifique. Et puis il revient comme ça, les grands et tout. T'as fait une danse pour nous dire bonjour. Et pour nous dire au revoir, tu fais quoi? Oh. Voilà. Yeah! Oh là là! Waouh! Il est drôle, hein? Il est drôle, Loïc Noté, mais il est. On dirait un gamin, quoi. Il fait un peu peur quand même, hein, parfois. Il part parfois dans des délires tout seul, comme donc ça. Oui, coach de The Voice. Hein. Cool. Bon, Vincent, toi qui sais tout sur tout, hein? J'essaye, du moins. Aurais-tu quelques anecdotes croustillantes à nous dire sur Loïc Noté? Laisse-moi regarder un petit peu là en dessous. J'en ai justement une pour toi, Cécile, et pour tout le monde qui nous regarde. C'était le lancement le plus ringard, je l'accorde. Je voulais me le faire un petit kiff, ça fait plaisir. Loïc Noté, en fait, ça me permet de rebondir totalement là-dessus parce que je sais pas si vous avez remarqué que dans les réponses qu'il a données, on est sur des références d'enfants de 5 à 6 ans. On est sur du Roi Lion, ouais. On est sur du Bob l'éponge. Et ben en fait, c'est assez logique parce que Loïc Noté, il souffre. Il a le syndrome de Peter Pan depuis l'âge de ses 18 ans. Et donc, en fait, il a refusé de grandir. Mais non. Ouais. Sérieux? C'est vrai? Du coup, depuis ses 18 ans, il a refusé de faire ses anniversaires. Il est fait de plus. Ah ouais? Plus de gâteau, plus rien. Quoi. Plus de gâteau, plus rien, ça remballe. Ça coûte pas cher, du coup. Ben non. Pratique. Par contre, du coup, il a toujours 18 ans dans sa tête. Bon, ben, Loïc Noté, il vient de sortir un album, hein, Siligomania, qui est dingue. Et dessus, il y a un single, son premier single en français, monsieur, madame. Si vous voulez le retrouver, ce sera le 8 mai 2021. Et pas n'importe où, les gars, à Forêt Nationale. Oh là là. Ah, ouais. C'est bien. Est-ce qu'on y va avec tous les membres du club? Ouais. Moi, je dis, tous les membres du club, on va au concert de Loïc Noté. Hein, Marine, tu viendras avec nous? Bien entendu. Oh là là. Une réponse sortie très simple. Bien entendu. Bon, les gars, juste après la pause, on va faire un petit retour dans le passé avec Friends et un retour vers le futur. Oh là là. Ce jeu de mots. Elle est belle, hein. Ce jeu de mots. Hein. Et pour le présent, si on se faisait une petite partie, Tanguy? Mais grave. Ouais, t'as tes manettes? Ouais, mais quel magicien! Quel magicien! On se retrouve après ça! Mais t'as les manettes! Yeah.